On continue. Vous allez nous. On continue avec vidéo. Avec exercice à tout. La jambe de nous, mon même rôle, pardon. C'est de nous jambes. Explication à tout exercice à tout. Et vous observez. Surtout maintenant, nous plus. Père, qui c'est mathématiques, physique. Chimie pour l'autre classe, mais pas pour l'outil. Ok. Il y a l'autre notion encore. Que on a des exercices dans le domaine de la domaine, par exemple génie civil. Ok, côté que vous allez parler, mais le domaine côté que après exercice qu'on a fait afin d'aider les gens, d'aider les enfants, les élèves, les étudiants à résoudre les exercices. Et à comprendre le terme. Donc, à continuer du monde, même des énormes, je t'ai oublié, sur votre cours. Abonnez, parce que, quand même, la vie intéressante, c'est que, un petit monde qui a fait effort sur ça, la vie intéressante, ok. Allez, vite, on a besoin. Mot 11 dans le monde. On vient à résoudre. Alors, je ne sais pas si ça dérange. Je ne peux toujours résoudre des exercices par vidéo. Comme étant donné ça, ce sont des exercices qui ne sont pas difficiles. Même pour exercice qui l'on a résoudre, on se voit vidéo, mais vous n'allez plus rapide. Je me connais un peu de moins. Donc, deux exercices par vidéo. On a le numéro 11, numéro 12, on a fait là. On commence dans le numéro 11. On a pris le ressort d'un dynamomètre salon de 5 cm lorsqu'il est soumis à une force de 2. Newton. De combien ça l'ont-il si on le soumet à l'action d'une force de 20 newtons? Normalement, si on nous voit ça, c'est avec 2-3. Ça veut dire que ça y a un bon échantillon et puis y a un bon autre élément pour qu'on puisse jouer nos nouvelles valeurs. C'est ça? Et de comme ça, on ressort à l'enjeu de 5 cm les de mettons force de 2 newtons la donne. Et de comme ça, combien la va allonger si on met force de 20 newtons. Ouais. Donc, pour répondre à la question posée, on a dit il s'allonge de 20. Donc, on a dit si pour ok, une force de 2 newtons li allongé de 5 cm pour une force de 20 newtons la allongé de x ou du croisé x est égal à ce 20 newtons à multiplier par 5 cm à diviser par 2 newtons. Donc, x est égal à newton à la newton. Allez, nous simplifions par newton. Donc, à 8 cm, c'est 20 par 5 à diviser par 2. Comme nous connaissons 20 par 5 à 100, divisé par 2 à 50. Donc, 50 cm. Donc, à conclure, vous nous dites qu'on sait que l'allongé de 50 cm, excuse-moi, sous l'action d'une force de 20 newtons. Donc, ça a fini. Numéro 12 de la demande. On a pris l'ensemble. On suspend une charge qui exerce une force de 60 newtons sur le ressort d'un dynamomètre. Le ressort s'allonge de 280 mm. Quelle est la charge qui produira un allongement de 600 mm du ressort? Pour m'expliquer bien rapide, je dis comme ça, yo pan, la bonne langue créole loin, yo pan, ok, on va dire, je mette en charge, on allait, de 70 newtons
sur un ressort. On soit accroché dans un ressort en dynamomètre. Le ressort a allongé de 280 mm. Ok, donc, on va commencer à donner nous 280 mm. Ça, c'est allongement. Charge là, c'est 70 newtons. Quelle est la charge qui produira un allongement de modèle? Nouveau charge là, un nouveau allongement de 600 mm. Allongement. Vous dites quoi, c'est toujours? T'as dit si pour F égale à 70 newtons, nous avons un allongement de 280 mm. Pour F égale à X, que nous connaissons, nous avons un allongement de 600 mm. Produit croisé, X est égal à 70 newtons multiplié par 600 mm à diviser par 280 mm. Millimètre aller, simplifié par millimètre en haut, millimètre en bas, simplifié par aller. X est égal à 70 timon, ça c'est calculatrice, non? 70 à multiplier par 600 mm à diviser par 280 mm. Donc, nous voyons que X est égal à 150 newtons. Donc, nous comprenons rapide que nous jouons qui poids pour appliquer le roulis sur le ressort dynamomètre là pour le bon allongement de 600 mm. Merci. Nous continuons avec l'autre exercice sur la prochaine vidéo. Donc, espérons-nous te contacter à ce moment-là.